Bonjour à tous les amis, c'est Brasil, votre gamer favori. Il se retrouve donc pour la boutique du jour de Fortnite du 2 octobre 2023, donc avec la une sous les étoiles, une petite emote série icône, saison 4 chapitre 4, donc 500 évêques. Le retour de Pote Petit Rond, donc un épique, on va bien s'éclater, fait partie de l'ensemble Tailleur de Courge, saison 4 chapitre 2. Empoignez la poche, batte brûlante, depuis l'accessoire de dos, les encres rabouilleuses quand les deux objets sont équipés, donc voilà. Donc avec Pote Petit Rond, avec son écrabouilleuse qui est son accessoire de dos hippique également, pas une courge ne lui résiste, et la batte brûlante, donc avec une flamme alimentée au jus de citrouille, donc tout ça pour 1600 évoques. Parcelle, donc il fait son retour avec ses 4 customs, donc en tenue rare, cultivez votre place dans la nuit, il fait partie de l'ensemble Tailleur de Courge, donc c'est le même ensemble, c'est dans 4 chapitres 2. Avec ses 4 customs en tenue rare, avec son gobelet de potage, qui est son accessoire de rare, c'est rien que pour moi. Merci, tout ça pour 1200 évoques. Le Citrouille Punk, c'est un revêtement d'armes atypique, c'est leur revêtement d'armes atypique, pardon, pour 300 évoques. Sculpteuse, c'est notre pioche rare qui fait partie du même ensemble pour 800 évoques. Voilà. Ensuite, vous avez le retour du pack Underland Nessus, donc avec Ava. Ava se change en tarte pour faire des raids en solo dans Underland Nexus, donc voilà, qui partit ensemble dans Underland Nexus, saison 4, chapitre 3. Cible au choix, donc réactif. Okay. Avec son cœur de tarte qui sont accessoires de dos hippiques, les raveurs d'Ava, c'est sa pioche rare. Avatar de Nexus, c'est son petit revêtement d'armes rare réactif. Les doutes d'Ava, c'est l'écran de chargement atypique. W, c'est un W, pardon, c'est un deuxième chargement atypique. Et prêt à jouer, c'est l'emote intégrée hippique également. Donc tout ça pour 1900 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez Ava en tenue hippique et ses deux customs avec son cœur de tarte qui sont accessoires de dos. Hippique, prêt à jouer, c'est son emote Hippique également intégré, tout ça pour 1500 évoques. Les raveurs d'Ava, c'est sa pioche rare pour 800 évoques. L'avatar de Nexus, c'est son vêtement d'armes rare réactif pour 500 évoques. Voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez le retour du pack Horizon Indopté, donc avec Safari en tenue rare et ses 3 customs. Dominer la savane, partie ensemble West Indopté, saison 3, chapitre 2. Avec son porte-flingue, son accessoire de dos rare, tout ce qu'il faut pour bien canarder. Les dagues d'extraction, c'est sa pioche atypique. Coupez les liens qui vous déplaisent. Le trésor est ici, c'est le vêtement d'armes rare. Il est animé également, tout ça pour 1500 évoques. En pack, vous avez Safari, ses 3 customs en tenue rare avec son porte-flingue qui sont les sorcières de rare pour 1200 évoques. Les dagues d'extraction, c'est sa pioche atypique pour 500 évoques. Le trésor est ici, son vêtement d'armes rare animé pour 500 évoques. Voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez le retour d'Astra, donc il fait partie ensemble l'étoile filante saison 1, chapitre 2, au firmament du talent. En tenue hippique avec ses deux customs, avec sa belle étoile qui sont accessoire de dos hippique également, elle vous guidera pour 1500 e-bucks. Mitrailleuse en tenue atypique, donc une tenue de mitrailleuse atypique, saison 1 chapitre 1 pour 800 e-bucks. Juste un rêve, donc c'est une petite musique série icône, ne vous laissez pas entraver en musique, saison 3 chapitre 3 pour 200 e-bucks. Péchu, une petite emote rare sans retenue, saison 9 premier chapitre pour 500 e-bucks. Vantard, notre petite emote rare. Faites-leur à la totale, saison 9, premier chapitre, pour 500 évêques également. Un autographe, un petit emote atypique, emote synchronisé, saison 3, chapitre 4, pour 300 évêques. Voilà. Ensuite, vous avez le pack de casier de Madifin, avec Heidi en tenue hippique, avec sa chope à Brésil qui sont un sort de dos hippique. Petula, c'est son petit planeur atypique. En sorceleuse, c'est sa petite emote hippique. Et Lettuce Toilée, c'est son vêtement d'arme rare animé, tout ça pour 2000 évêques. Alors pas que vous avez Heidi en tenue hippique avec sa chope à Brésil qui sont histoire de dos hippique pour 1500 évêques. En sorceleuse, c'est sa mode hippique pour 800 évêques. Pétuya, c'est son petit planeur atypique pour 500 évêques. Lotus étoilé, donc c'est son vêtement d'armes rare, donc il est animé pour 500 évêques. Pack et hors pack. Ensuite, vous avez toujours Land Wing, pardon. Gare à ceux qu'il chope, donc c'est en tenue hippique, c'est ensemble October Fast, donc. Saison 6, premier chapitre, avec sa vieille pendule qui sont accessoires de dos hippique pour 1500 évêques. L'âche accordéon, c'est sa pioche atypique pour 500 évêques. L'Octoberne Festin, donc c'est le petit panneur rare pour 800 évêques. La reine de l'automne qui fait son retour, donc qui fait partie ensemble fil des saisons, saison 1, chapitre 2, donc en tenue rare, avec sa cape automnale qui sont accessoires de dos rare pour 1200 évêques. Stern, en tenue hippique avec sa corne de chasse, accessoire de dos hippique, lui aussi, c'est le même ensemble, fin des saisons, saison 1, chapitre 2 pour 1500 évêques. Amiante, donc Amanite, pardon, c'est une petite pioche rare pour 800 évêques, c'est leur pioche rare pour 800 évêques. Attrape écorce, c'est une deuxième pioche rare, donc qui fait partie du même ensemble pour 800 évêques. Voilà.
Ensuite, vous êtes sur le pack Moisson du Butin, donc avec un chien en tenue hippique, avec son bras fouetté, avec son accessoire de dos hippique, et puis en tenue rare, avec ses quatre customs, avec la hacheuse de hachis, sa piochette hippique, et émincé, c'est le petit planeur rare. Tout ça pour 2000 évêques. Hors pack, vous avez donc épi, ses quatre customs en tenue rare pour 1200 évêques. Hachi et son bras fouetté en hippique pour 1500 évêques. Émincé, ses petits planeurs rares pour 800 évêques. La hacheuse de hachis, c'est sa pioche atypique pour 500 évêques. Ensuite, nous avons l'émote atypique du cœur. Donc, ça, c'est l'émote synchronisée. Et la bannière atypique également, ça, c'est gratuit. Le signe de cœur, c'est notre émote icône atypique et gratuite. Le cœur victorieux, c'est la petite atypique aérosol gratuite. Et réinventation, c'est le vêtement d'armes rares, donc il est animé, donc il est gratuit également. Donc voilà, ces petits objets qui sont gratuits. Ensuite, vous avez toujours le pack de Maggie Classieuse, donc avec Jamila en tenue hippique, avec son kit de dénicheuse qui sont accessoires de dos hippique. Ania, donc avec son magico copite de tisseuse qui sont accessoires de dos hippique. L'Ebidame relique, c'est sa pioche rare. Et le bâton d'enchanteresse, c'est notre pioche rare, tout ça pour 2600 e-bucks. En pack, vous avez donc Jamila avec son kit de dénicheuse en hippique pour 1500 e-bucks. Ania, donc avec son magico kit de tisseuse, pardon, c'est dur à dire, son accessoire de dos hippique pour 1500 e-bucks également. L'Ebidame relique, c'est leur pioche rare pour 800 e-bucks. Le bâton d'enchanteresse, c'est la deuxième pioche rare pour 800 e-bucks également. Donc il réagit au point faible. Ensuite, vous avez toujours le pack étoile éclatante, donc avec la Stellame qui est la pioche rare. L'étoile du bonheur, c'est son vêtement d'armes rare qui est réactif. Ensuite, vous avez Céleste, donc avec ses deux customs en tenue rare également. Voilà. Et son étoile spectrale qui sont accessoires de dos rares. Tout ça donc pour 1300 évêques. Hors pack, vous avez Céleste en tenue rare avec ses deux customs, avec son étoile spectrale, accessoire de dos rare pour 1200 évêques. La Stellan, c'est sa pioche rare pour 800 évêques. L'étoile du bonheur, c'est son petit revêtement d'armes réactif et rajeunimisation pour 500 évêques. Voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez le pack Assassin Volcanique avec la bombeuse magnétique et son macaron ardent qui sont accessoires de dos. L'ancien ion sulfurique, c'est sa pioche. Et Flot enflammé, c'est son revêtement d'armes animé, tout ça pour 2500 évêques. Le pack Archer Astral, donc avec Kairi qui fait son retour en tenue hippique, donc il va partir ensemble à Archer Astral, saison 3, chapitre 3, avec ses deux customs. Avec son corps de vérité qui est son accessoire de dos hippique également et ses deux customs. Et le Sélénarque tranchant qui est sa pioche rare, donc il a deux customs également, vous voyez. Vous voyez à l'écran, pardon, tout ça pour 1800 évêques. En pack, vous avez Kairi, ses deux customs, et son carquois de vérité, ses deux customs en épique pour 1500 évêques. Le Sélénarque tranchant, c'est sa pioche rare, donc avec ses deux customs pour 800 évêques. Voilà. Ensuite, vous avez le retour de Tsuki, donc il partit ensemble Karaté Technologie, saison 9, premier chapitre, avec ses deux customs en tenue rare. Avec son Taha, qui est son accessoire de dos rare également pour 1200 évêques. Le Méga Point, c'est sa pioche hippique pour 1200 évêques. Frelon, c'est son vêtement d'armes atypique pour 300 évêques. Ensuite, vous avez la Bombardeuse, donc en tenue rare, donc il partit ensemble Boule de Gomme, saison X, premier chapitre, donc avec ses deux customs. Avec son Distribu Bomber, qui est son accessoire de dos rare pour 1200 évêques. Son distributeur, donc c'est sa pioche rare pour 800 évêques. Bombardeur, c'est son vêtement d'armes atypique pour 300 évêques également. Voilà, pas c'est des petits personnages, pardon. La reine du maquis aussi qui fait son retour en tenue rare avec ses deux customs. Donc il partira sans sushi, saison 6, premier chapitre, avec son Maxi Nigiri qui est son accessoire de dos rare également pour 1200 évêques. Hardy, donc en tenue rare et ses deux customs, elle fait partie de l'assemblée percute, saison X, premier chapitre, avec son original qui sont accessoires de dos rare également et ses deux customs, tout ça pour 1200 évêques. Sagan qui fait son retour, donc en tenue atypique, saison 4, chapitre 2, elle fait partie de l'assemblée centre-ville pour 800 évêques. Lapinegan, donc saison 1, chapitre 3, en tenue atypique pour 800 évêques qui fait son retour. Egeri, donc il n'y a pas sur son podium, il n'y a pas de seconde place, saison 2, chapitre 2, donc pour 800 évêques. Voilà. Ensuite, vous avez toujours le pack Becky Lynch et Bianca Blair, avec Becky Lynch et ses trois customs en tenue hippique. Donc, saison 3, chapitre 4, qui fait partie de l'ensemble Becky Lynch, donc tout simplement. Avec son bouclier des armements, qui sont accessoires de dos hippique. La lame des armements, c'est sa pioche hippique. Bianca Belair, donc avec ses trois customs en tenue hippique, avec son bouclier surpuissant, qui sont accessoires de dos hippique. Le marteau KOD, c'est leur pioche rare. Et Célébration Superstar, donc c'est leur petite célébration, tout ça pour 2400 évêques. Hors pack, donc vous avez Becky Lynch avec ses trois customs en épique, avec son bouclier désarmant, son accessoire de dos, l'arme désarmante, c'est sa pioche, tout ça pour 1600 évêques. Bianca Belair avec ses trois customs en tenue épique, avec son bouclier surpuissant pour 1500 évêques également. Le marteau KOD, c'est leur pioche rare pour 800 évêques. La célébration superstar, c'est la petite emote atypique pour 300 évêques. Ensuite, vous avez sur le plaque Chloé Kim, donc avec Chloé Kim et ses quatre customs, avec ses ailes congelées qui sont accessoires de dos,
La volute glaciale, c'est sa pioche. Le Nimbola, c'est le petit planeur. Le salto de la planche, c'est sa petite ivotte. Et pour finir, l'envol de Nimbola, qui est l'écran de chargement, tout ça pour 2400 évêques. Orpax avec Kleki met ses 4 customs avec ses ailes congelées pour 1500 évêques. Le Nimbola, c'est son petit planeur pour 800 évêques. La volute glaciale, c'est sa pioche pour 800 évêques. Le salto de la planche, c'est sa petite emote pour 300 évêques. Voilà, pack et airpack. Ensuite, vous avez le pack de casier de Ghostpix, donc avec la canonnière de la brute, donc ses onyx pour un chapitre en tenue atypique. Avec sa tailleuse arc-en-ciel, c'est sa pioche atypique. La toile perlée, c'est sa planaire atypique. Distrait, c'est son emote atypique. Et pour finir, dragon blanc, c'est son vêtement d'armes atypique, tout ça pour 1600 évêques. En pack, le canonnière de la brute en tenue atypique pour 800 évêques. Distrait, sa petite emote atypique pour 200 évêques. Toile perlée, c'est son petit planeur atypique pour 500 évêques. Tailleuse en arc-en-ciel, c'est sa pioche atypique pour 500 évêques également. Dragon blanc, c'est son vêtement d'armes atypique pour 300 évêques. Voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez toujours le pack de quête du souvenir numérique pour 8 euros, donc avec jouet clash rétro, donc en tenue rare, avec son sergent Usagi qui sont un accessoire de dos rare. Les lames électro-paralysantes, c'est sa pioche rare, et des quêtes supplémentaires pour gagner 1000 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack club du haut risque pour 15 euros, donc avec Johnny la sanguine en tenue hippique, avec son cap de Johnny qui sont un accessoire de dos rare. Le serment doré, c'est sa pioche réactive rare. La para de Johnny, c'est son vêtement d'armes atypique. Ensuite, vous avez Lucien West Chic, voilà, en tenue hippique, avec son Louis Stellier qui est son accessoire de dos rare. Le poignard du ponant, c'est sa pioche rare qui réactive également. Et la classe de Lucien, c'est son vêtement d'armes atypique. Ensuite, vous avez Elsie la chasseuse en tenue hippique avec son porte-pieux cérulien, donc qui est son accessoire de dos rare. Le bimorsure, c'est sa pioche rare également qui est réactive. Et la parure de L6 en vêtement d'armes atypique, donc tout ça donc pour 15 euros, les amis. Ensuite, vous avez toujours le pack de quête de B1000 pour 12 euros, donc avec B1000 en tenue hippique et son coup du mixeur qui s'en emote intégré hippique également. Et vous pouvez gagner jusqu'à 1500 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack agent double donc pour 2500 V-Bucks, donc avec le pack avec mythique agent double en tenue hippique, avec son stylo d'agent double qui est une sorte de dos hippique, le joker agent double en tenue hippique avec sa mallette d'agent double, l'agent double du chaos et l'unité ectoplasme d'agent double, donc avec leurs différentes customs, tout ça pour 2500 V-Bucks. Ensuite, vous avez leur pack pioche de l'ombre, donc c'est leur pioche, ça, donc avec la lame de l'ombre qui est une pioche rare, pince dorée, une deuxième pioche rare, et la faute du désordre, la troisième pioche rare. Ensuite, vous avez toujours le pack pirate préhistorique pour 4 euros, donc avec Aknosor, donc en tenue rare, avec son ordinateur qui est son accessoire de dos rare. Le marteau maliciel, c'est sa pioche réactive, et vous gagnez immédiatement 600 V-Bucks en achetant ce pack à 4 euros. Et pour finir, donc vous avez toujours le pack conseiller délivré pour 16 euros, donc avec un accès permanent à la campagne Sauver le Monde. Vous gagnez 1500 V-Bucks en accomplissant les quêtes quotidiennes dans Sauver le Monde. Terminer la défense du bouclier anti-tempête phase 3 pour déverrouiller les quêtes quotidiennes et entamer ce pack de défis qui comprend la tenue sidobsidienne rare avec son stack de stockage de livret qui sont accessoires de dos rare et antennatrice, c'est sa pioche rare, donc tout ça pour 16 euros. Sinon, il y a toujours possibilité de souscrire au Club Fortnite, les amis. Pour 12 euros par mois, depuis le mois de décembre, vous avez l'ensemble de fidélité au club, des objets cosmiques exclusifs au club dans une nouvelle étape est délivrée chaque mois tant que votre abonnement au club de Fortnite est actif. Vous accédez au Rocket Pass Premium, donc grâce à votre abonnement au club, accédez au Rocket Pass Premium de Rocket League sur vos appareils compatibles. Plus d'infos sur fn.gg/Rocket League. Si vous avez déjà pas de combat, vous recevez 950 V-Bucks. Vous recevez 1000 V-Bucks chaque mois à date de facturation du club. Et ce mois-ci en cadeau, c'est toujours Ompral, donc en tenue hippique, avec son sac à dos gothique et son accessoire de dos hippique. Les Dark Vesperal, c'est sa pioche hippique. Et l'ombre furtive, c'est son écran de chargement atypique. Donc tout ça pour 12 euros, les amis, si vous bénéficiez de tous ces avantages. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Pour le soutien, vous le savez très bien, hein. Si t'es pas encore abonné, vous êtes encore nombreux, vous êtes 80% de personnes qui regardent ma chaîne et qui sont pas encore abonnés, regardez, c'est totalement gratuit, tu cliques sur s'abonner, ça me fait énormément plaisir et ça m'aide énormément. Si tu le fais, tu me cliques sur s'abonner, tu n'oublies pas d'activer la cloche de notification pour être notifié de prochaines sorties vidéo. Et pour le soutien, ce format était Rocket League, vous avez le code, c'est le code qui a enflammé votre été, qui va réchauffer ton hiver, c'est le code de l'été, c'est le code de l'année, c'est le code Brasier en majuscule à bout de format, vous êtes accepté, moi ça aide énormément. Et sur ce, je vous laisse, passez une bonne journée, portez-vous bien et à bientôt, bye bye.